Voici, sans plus tarder, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement, ladies and gentlemen, please, welcome, Clairelle. Bonsoir. Good evening, everybody. Well, I saw as you walked in the room, I just knew you were my dream come true. I could hardly believe my chance when you let me have the dance and you spun me around the whole night. Of me, I can't recall how much time fleeted by as we walked. Still, I knew right then and there that I'd found a special kind of friend, the kind I would. You look straight out of a storybook. The way that you make me feel, that's what I like about you. The way that you look is straight out of a storybook. And the way that you make me feel, see, that's what I like. Slow down. We move away from the crowd, and it was there under the hallway light. I got close enough to see your eyes, where the sweet and soulful shade. Thank you.
Mon nom c'est Clairel. Ladies and gentlemen, my name is Clairel, and I'm here with the best man I could ask for, really. And we're now welcoming Judith Little and Sarah MK as well. And over the next 45 minutes or so, we're going to share some music with you that we hope you enjoy. It's coming from the depth of our hearts, and we hope you receive it as such. And so the next song is a song I put out a few months ago, and it's essentially me trying to tell everyone what I'm about. Without further ado, here goes my anthem. Thank you all so much.
So if throughout the set, you know, I seem very slow to start the song, it's just because I'm trying to take in, you know, everybody in front of me, just the fact that I'm playing Jazz Fest. It's not every day. The next song is called Talking About Love. Merci. Thank you. Alors l'avantage de performer en live au festival de jazz, c'est que tu peux faire une chanson qui n'est pas encore sortie, qui n'existe même pas encore.
So we're about to do a song that's called The Channel. And in fact, I think I'm going to take my jacket off of this. Alors, il y a de cela presque 2 mois, j'ai sorti un EP en français. I put out an EP in French.
which is really the language I grew up speaking. And the next song, you know, I've gotten the opportunity to give some interviews about this next song. And I'm often asked, you know, what is it about? And I usually say what is obvious. You know, it's obviously a song about heartbreak, a breakup, or something similar. But recently, in thinking a bit about my personal history, you know, my personal, you know, just my life, I've experienced, and I'm sure maybe there's people here today, I've experienced the immense pain of having to grow up in one place and then have to move as a child without really understanding, you know, why you're moving, where you're going, why you have to go there, even if the place that you're moving to happens to actually be your actual home country. So I actually think this next song and, you know, the words that I used in it are really referring to that. There's like a feeling of loss. And, you know, when you lose something, you're kind of always looking for it wherever you go after that. And I think this certainly applies. Donc, sans plus tarder, la prochaine chanson s'appelle Le Tour. Il t'a suffi d'un jour ou deux. Voilà déjà que tu fais tes adieux. En vain je recherche une trace de toi dans ces autres qui passent. Je ne peux t'oublier quoi que j'y fasse. On a fait le tour, on a refait le tour, refait le tour, fait le tour de nos amours. J'attendrai toujours qu'elle revienne, qu'elle revienne. Oui, on a fait le tour. À la recherche d'un domicile, je déambule dans les rues de la ville. Je vagabonderai sans trêve jusqu'à ce que le soleil se lève et que cette nuit ne soit qu'un mauvais. On a refait le tour, refait le tour.
Je vous demanderai aussi d'applaudir Kento, à qui j'ai demandé de jouer la guitare acoustique sur cette chanson. Lui qui est un rocker. Il est vraiment... il est vraiment, vraiment tolérant avec moi. Voilà. La prochaine chanson s'appelle QTV. Se rassurer, tu peux choisir de rêver et d'aller regarder les étoiles de tes yeux. On peut partir, c'est quand tu veux. Rendez-vous là où les aigles n'iront pas. Et on peut s'envoler, laisser le vent nous emporter. Et on peut partir, c'est quand tu veux. Rendez-vous là où les aigles n'iront pas. Et on peut s'envoler.
La prochaine, ouh là là, ça mouille, hein? Je transpire déjà, de toute façon. La prochaine chanson. La prochaine chanson est une chanson que j'ai le plaisir de créer avec M. Kento Kataoka à la guitare aujourd'hui. Alors, vu qu'il pleut, hein, on ne va pas juste rester stationnaire. On va commencer.
Merci. Okay, well, they say all good things must come to an end. No, honestly, personally, I know I speak for everyone in this band, including me, when I say we had a great time with you all today. Thank you so much. And it's only, what, it's barely six, so the night is just starting, and, you know. But before we launch into what is going to be our final song of the set, I would like to thank the wonderful folks at Jazz Fest for having us this year. And I'm going to ask you to make some noise for Judith Little and Sarah MK on background vocals. Joey Shanahan on keyboards, au clavier. Mike Hand à la batterie, on drums. Neil Robinson à la basse. Et bien sûr, Kento Kataoka à la guitare, mesdames et messieurs. Yes, yes, yes. Alors, la prochaine chanson s'appelle, vous savez, parfois vous écrivez, vous cherchez des affaires, vous trouvez pas, vous cherchez, et puis un jour vous tombez sur... What about the way you feel?
It's been a pleasure. Thank you. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Merci de sortir dans le calme en respectant la distanciation. We hope you had a good time. La magie du festival, c'est que même sous la pluie, la foule en demande encore. Quel beau spectacle de Clairel ici au Festival international de jazz de Montréal pendant que les musiciens quittent la scène. Et voici Clairel. Bravo! Ah oui, la pluie! Tu es magicien! T'as fait tomber la pluie! Apparemment. Les gens sont restés, heureusement. Absolument. Quand même. Ah oui, j'imagine. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Super. Très, très bien. C'était ton premier spectacle solo sur la grande scène ici, oui, au festival. Absolument, oui. Avant un spectacle comme ça, si marquant, évidemment, c'est quand même le festival de absolument, jazz. Absolument. Comment on se sentait? Bien, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a un peu de dans les tripes, hein, ça bouge un peu parce qu'on se dit, bon, s'il y a vraiment beaucoup de personnes, si effectivement c'est sold out, comme on a dit, donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous voir. Donc on veut vraiment juste montrer le meilleur de soi, quoi. Et on espère que c'est ça qui va passer du côté des spectateurs. Et en tout cas, de mon côté, j'ai vraiment aimé. Ils étaient très généreux aujourd'hui, donc voilà, très content. L'avantage avec le web, c'est qu'on est diffusé partout dans le monde. Donc, le spectacle a été vu partout, sur YouTube. Allô, partout. Allô, planète. Et c'est pourquoi on peut aussi en faire un bout en anglais, ah, si vous voulez. Mais bien sûr, absolument. Absolutely. Because you actually lived in the United States for a while. I did, yes, for a few years. I went to university there. And that's where I basically, you know, learned English in a way, you know. And when I started making music also, you know, that's where I was. So, like, it's a soul influence as I got there. But obviously, you know, I was raised in French. So, you know, it's always very interesting. Even tonight, I was very naturally using one language or the other. And halfway through, it occurred to me, you know, there might be some people who actually don't understand what I'm saying. But you know, it's fine. But, yeah, I did live there, and it was really great. And it's just great. That's, I feel like, a show like this I could have done only in Montreal, you know, where, like, you know, you can switch from one language to the other. But, you know, I'm forever indebted to the English language and the amazing music that has been made, you know, in that language. So I'm just trying to add to that. La découverte de la musique soul, oui, est arrivée un peu par accident dans ton, oui, cas. Bon, ben oui, plus ou moins. C'était juste un voyage scolaire, comme ça, comme on en fait souvent pour aller rendre des services dans la communauté, travailler dans la communauté et par la même occasion apprendre un peu plus sur le monde, oui, le pays dans lequel on se trouve. Et donc, dans ce cas-ci, l'une des activités qui a été prévue, c'était une visite au musée Stax. Donc, Stax Records. Et voilà, donc, bien sûr, j'étais comme un peu tout le monde, je connaissais un peu la musique, hein, parce que, voilà, la musique, elle a voyagé partout. Mais là, en fait, il y a vraiment eu un déclic, c'est ça, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Ce n'était pas vraiment le sujet du voyage du tout. Mais en fait, je suis reparti de là vraiment changé. Et je crois justement la musique, en fait, je me suis pensé musicien à partir plus ou moins de cette période-là, à la découverte de certains artistes de cette ère-là, on va dire. Ouais. As-tu pensé, si tu n'étais pas allé sur ce voyage-là, que, ouais, serait devenue ta vie peut-être? Oh, ah, je serais poursuivi en médecine, très en chimie, mauvais, ou... très mauvais chimiste aujourd'hui, probablement. <ouais. rire> Mais c'est drôle comment ces petits moments marquants, ah, oui, inattendus, ah, peuvent, moi, complètement, mon... changer une vie. Même ça, hein, ça, c'est pas... Ça, moi, je me rappelle bien, il y a 5 ans, avoir été ici avec mon frère, regarder des shows avec tout le monde, et voilà. On m'aurait dit, bon, dans 5, 6 ans, tu auras l'occasion de jouer là-dessus. Bon, j'aurais été très surpris, quoi. Donc, effectivement, moi, mon parcours musical n'est fait que de ça, de vraiment de rencontres fortuites, de détours inattendus. Et voilà, je me sens juste très chanceux. There's something about soul music. And it's in the word. Soul. It's in the word, like ça, you said. Exactly. Ça fait du bien. C'est tout. Ça décrit à peine, parce que même quand on dit soul, je crois qu'on peut entendre tellement de choses, n'est-ce pas? Quand on dit soul, il y a certains noms qui arrivent, mais c'est clair qu'éventuellement, ça ne sonne pas tous pareil. Voilà, il y a des différences. Donc, et je crois que c'est pour ça aussi que la soul, enfin, en général,
c'est le label qui m'attire le plus, hein, parce que je, enfin, c'est le label que je trouve le moins contraignant, on va dire. Parce que là, si on fait de la soul music, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et je pense justement que par mon parcours personnel, j'ai justement beaucoup de choses à partager, parce qu'il y a tellement de personnes à travers le monde qui ont vécu beaucoup de choses que j'ai vécues, comme tu le disais tantôt, c'est-à-dire ça n'a même plus rien à voir avec la langue au final, c'est à travers le monde. Et voilà, je crois justement que la soul music est un véhicule qui a déjà prouvé qu'elle est capable de faire cela, de transporter des choses vraiment dans d'autres cultures, d'autres endroits. Donc voilà, je me sens, j'ai la chance aujourd'hui de faire dans ce, on va dire, dans cette filière-là. Et puis voilà quoi, on verra là où ça mène. Merci d'avoir pris le temps, Clément. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. I wish you a very long and successful career. Well, thank you. Thank you. Merci gros, beaucoup. Gros merci. Restez des nôtres à venir plus tard ce soir. On a Bacha Boulat sur la même scène, ici, la scène TD à la Place des Festivals. Il y a aussi Elissa P qui sera là plus tard ce soir et aussi un concert de Charlie Hayden qui s'en vient en archive de 1992 tout au long de la soirée. Restez avec nous. Merci encore. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.